Oh ah <laughs> Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne du... 4 février 2019. Voilà, je suis j'ai votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi, autour de la machine à café. Voilà, pour parler un petit peu de bah, news high-tech, films, séries télé, news du week-end, un petit peu de contrefaçon via Shanzai et tout. On essaie un peu de mix et tout pour vous donner un rendez-vous divers et varié. On parlera bien évidemment des produits qui sont arrivés aujourd'hui dont un que tu vois déjà derrière, un autre qui est là-bas, mais bon, voilà. Et les produits qu'on va faire, etc. 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 On, on commencera, bien évidemment, cette émission, comme chaque émission, par remercier les tipeurs et les uTipeurs. Je vous rappelle, l'émission est auto-financée par ses membres. Vous pouvez aller me payer un café sur Tipeee. Bah, du coup, c'est là-bas. On veut un café à payer sur Tipeee. Vous, c'est parti chaud, hein. Ce mois-ci, là, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Alors, après, encore une fois, je rappelle, le JT Geek, c'est trois chaînes YouTube GLG Review, GLG Vidéo, WTSB, GLG. 50 vidéos par mois gratuitement. Je veux dire, si jamais tu arrives à regarder une ou deux vidéos par mois qui te plaisent pas trop mal, tu peux dire, bon, comme c'est gratuit, on peut bien lui donner un café à l'autre crevard. <laughs> Il se donne quand même un petit peu du mal, hein. Ce qu'on parlera justement, notamment la vidéo qu'on n'a pas fait hier. Et que, vous, du coup, vous n'avez pas vu aujourd'hui parce que bah, le, le rythme était un petit peu trop soutenu. 527, voilà. Donc, vous voyez le nombre de cafés marqués en haut. Et si jamais, bah, tu as envie de soutenir l'aventure, mais que tu pas de thunes, ce qui peut arriver, hein, je veux dire. Euh, tout le monde n'a pas un bal ou deux balles à donner, je veux dire. Ah oui, je vous rappelle, à chaque fois que vous mettez un café, vous avez droit à des tickets. Alors là, euh, premier machin, donc... Vous avez droit à des tickets de tombola. Voilà, vous mettez deux balles. Vous avez droit à un ticket de tombola. À la fin du mois, il y aura plein de cadeaux à gagner. Il y aura sur un mini PC dont je vous ferai la review bientôt. Il y aura une caméra. Donc, on verra en fonction de celle que vous choisissez demain. Que les gagnants du mois de janvier vont choisir demain. Ça sera soit une Mijia 4K, soit une i4K. Donc, dans tous les cas, c'est une caméra sport pas dégueu. Il y a pas mal de petits produits et tout. Voilà, pour l'instant, il y aura deux gagnants. Certainement trois comme le mois dernier. Vu que le mois dernier, on a juste fait exploser le, le palier des trois. Et que je pense que le palier des quatre pourrait arriver. Euh, Expressément sous Voilà. Donc, du coup, si t'as pas de thune et que c'est une aventure, tu peux aller là, tu regardes un petit clip musical. C'est pas grand chose, c'est un petit clip. Comme ça Tu peux danser en plus. Bah, pa pa, pa. Voilà. Donc, trois clips par jour, tu peux les regarder toutes les heures, et à chaque fois ça me rapporte 3 centimes. Dis, ouais mais 3 centimes c'est pas beaucoup. Et eh ben tu auras 3 clips, ça fait 9 centimes, d'accord Et hein eh bien tu te rends compte que si tu regardes ça tous les jours, eh ben ça fait plus qu'un mec qui a donné 1 euro. Donc t'es plus important. Et le mois dernier vous avez vraiment regardé beaucoup beaucoup de clips. On voit dans les compteurs, on en parlera quand uh, Tipeee nous donnera un petit peu le bilan, mais c'était juste exceptionnel, on les ajoutera sur ce mois-ci, et c'était vraiment 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 gentil du fond du cœur. Merci à tous ceux qui prennent le temps, soit d'aller payer un café qui peuvent le faire, ou ceux qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas de thunes. D'aller regarder des clips musicaux, ça permet de regarder des clips musicaux, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, allez, la tombola, du coup, on en a parlé. Donc, je vous rappelle, au mois de février, et pour les plus généreux d'entre vous, ceux qui auront envie de mettre 20 balles de café, ici, vous avez quand même droit à un t-shirt. Je sais pas où ils sont les paliers. Maintenant, je les ai pas parce que je suis pas connecté, fais voir. Non, non, non. Il y a pas des trucs là, objectif. Attends, je <laughs> sais même pas comment ça marche. Non, mais moi moi, j'y vais jamais, moi. Voilà, amour, voilà. Amour, 5, non, 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 voilà. Si tu mets 20 balles de café, t'es sûr au moins d'avoir un t-shirt. Alors, j'ai écrit, je me suis fait une liste. C'est la lettre de Tipeee, hein. je vous fais voir, parce qu'après, euh, enfin, il m'a dit oui, le truc... il m'a marqué Tipeee derrière, regarde-toi. Ils m'ont écrit pour dire qu'ils m'aiment. Voilà, c'est gentil, toi, ils me disent on vous aime, on vous aime beaucoup. Voilà, gentil, je vous aime beaucoup, c'est Tipeee. Ça, franchement, on mange plutôt bien euh, au niveau des clips et tout. Voilà, donc j'ai mis les noms. Euh, j'ai écrit à tous ceux qui ont mis 20 balles ou plus, bien évidemment. Donc là, je vais vous demander de vous envoyer le t-shirt que vous vouliez. Si vous vouliez le Star Wars, donc il y aura une tombeau là demain. Sinon, vous aurez un Guiwick, au pire, un euh, Vous allez voir votre t-shirt, choisissez la couleur, la taille que vous voulez. Et si vous faites plus que double XL, qui est notre taille maximum, que vous faites 3XL, 4XL, vous me dites Oui, mais moi je fais 4XL, je vous trouverai un truc, promis. On ira en Thaïlande acheter un machin à 4XL, s'il faut, 5XL, 6XL, on en a. Alors 6XL, c'est bien, c'est que ça fait aussi dessus de lit. Avec un logo et tout, c'est plutôt sympa. <laughs> eh. <laughs> il, est, il est là pour tout le monde le mec Bon bah ben voilà Donc euh, Tipeee C'est fait La tombola C'est fait les, les machins On en a parlé Je vous rappelle Donc les t-shirts pour les tipeurs J'ai envoyé les mails Ça partira euh, Semaine prochaine euh, D'après quoi Tu vois ce que je veux dire Là on va faire partie à les, les, les commandes Geek Qui nous restent Et les commandes JT Geek Du week-end et tout Donc voilà Tout est prêt reste... on, a, on a plus d'agrafe C'est con hein Pour agrafer le truc Bon euh, Je vous rappelle On a une page Facebook Qui s'appelle Facebook euh, Pattaya French Group Pour ceux qui sont intéressés Par la Thaïlande pour Pataya et tout, j'essaie d'y mettre un petit peu du contenu intéressant. Alors est-ce que je vais arriver à trouver Est-ce que je peux mettre temps dans... Ouais bon t'as compris, attends. Je... Non mais tu veux voir Attends. Allez, où la page euh, Pataya French Group. Si je mets comme ça là, il va se passer quelque chose ou pas Tac. Non, 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 non. Je suis en train d'écouter, chéri. Voilà, donc Pattaya Fresh Group, voilà, un groupe sympa. On parle un petit peu des visas, on va parler des permis moto. Il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont récurrentes. Donc on parle là-dessus, on parle de la vidéo du. mais non, mais je sais pas ce que tu me demandes. Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis désolé. Voilà, donc on y parle des visites, on y parle des rendez-vous, des soirées hamburgers. Il y en a qui veulent venir, qui sont à Pattaya, etc., etc. Mais là, bon, allez, il marquait un truc en thaïlandais, mmh maintenant je suis en thaïlande donc du coup par défaut c'est marqué en thaïlandais bon c'était pas ça que je voulais vous parler du tout voilà bon ben bah, vous pouvez aller et puis vous pouvez vous abonner à la page si jamais la thaïlande vous intéresse vous avez envie de venir en vacances vous êtes déjà 30 on a monté la page il y a une semaine vous êtes déjà 30 à la suivre donc c'est que <laughs> Tu vois, tu vois un peu le dossier, c'est qu'il y a quand même un petit peu de ah là, vous n'êtes pas tous 30 en Thaïlande apparemment hein voilà. Bon allez, on continue. Page Facebook c'est fond. On parle un petit peu des news du jour. Première news, c'est Samsung qui commence à teaser. En fait, ils vont nous faire un Samsung S10 Emperor version avec 10 Go de RAM mon pote. Non de ROM bien évidemment. Euh, non, euh, non. N'importe quoi. 1 Tera de Rome. C'est pour ça que ça allait pas. <laughs> giga de RAM. 10 giga de, RAM. 10 giga de RAM, ils le font déjà. C'est 1 Tera de Rome. Voilà. Parce que eux, ils ont une technologie, machin, qui permet de le faire. Truc donc voilà, en fait, bon bah... Qu'est-ce que ça a d'intéressant Rien. Si ce n'est qu'ils bah, peuvent le faire. Et que ça sera les seuls à le faire. Donc ça sera les seuls à avoir un téléphone avec 1 Tera, 1 tera de ROM. Alors est-ce qu'il y aura 1 giga de RAM un TeraDrom, je veux dire, bon, on commence à arriver sciemment dans le n'importe-nawak, mais les fabricants sont un peu obligés de vous trouver quelque chose pour vous vendre des nouveaux téléphones. Parce que là, cette année, ça va être encore la grosse, grosse misère dans l'évolution des smartphones. Et euh, bah, c'est pour dire, on a la plus grosse, quoi. Donc, le téléphone va être bien, certainement, mieux un peu mieux, meilleure caméra, meilleur truc et un terrain de, de mémoire, ce qui alors là par contre personnellement pour moi, je veux dire au début je dis oui 32 c'est beaucoup, ah, c'est pas assez, tu parles là. je sais plus combien j'ai là dedans mais j'arrive même pas, je crois qu'il y a 128 là dedans déjà, pff, je pourrais encore en mettre et encore on, est, on, on nettoie pas, on est vraiment des gros cochons, on nettoie jamais le téléphone et tout donc euh, voilà donc tu imagines un peu en optimisant un peu voilà Bon, c'est de la news, ça permet de parler un peu de Samsung parce que je vous rappelle, bon, on n'aura pas trop de chinois pendant ce moment-là. Une news aussi également concernant le, le nouveau Samsung A90 qui commence à teaser. Alors bien évidemment, Samsung reprendra sur son A90 une tendance sur laquelle on voulait pas trop croire, hein, parce qu'avec Vivo, avec sa caméra pop-up, n'a pas non plus euh, fait des folies. Bah, apparemment, c'est Samsung qui pourrait revenir aussi. Je vous rappelle le gros promade, le gros problème de tous ces marques, c'est de savoir où ils vont vous mettre la caméra à l'avant. Alors on a dit que dans ton cul, c'était pas la peine parce que c'était pas pratique pour prendre les photos, et ensuite c'est beaucoup trop sombre. Faible luminosité et tout, bah tu comprends. Donc là, ils vont mettre la caméra pop-up, ce qui mettra d'avoir un écran plein écran, un lecteur digital sous l'écran, ce qui serait quand même un peu un minimum. Donc du coup, ça pourrait faire un téléphone qui est sympa. Après de là à dire oh, j'abandonne le mien parce qu'il me faut absolument celui-là, on est bien d'accord qu'on est loin, 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 loin. D'arriver là, mais ça reste un téléphone qui est joli, intéressant et tout, qui risque de pas être détectivement cher. La série A et euh, surtout la A90, ce n'est pas des téléphones à 600-700 balles, tu vois ce que je veux dire. Donc, avoir le prix, avoir les caractéristiques trois caméras à l'arrière, une caméra pop-up, un plein écran. S'il y a besoin d'un renouvellement, c'est un téléphone qui est, qui est d'actualité. Voilà, ce n'est pas exceptionnel, mais encore une fois, c'est d'actualité. Voilà. Euh, donc là, j'ai pas mis, il faut que je mette dans mon titre Samsung. Ga ça vous dérange pas si je fais mon truc en même temps <laughs> En même temps, c'est pas comme si vous aviez le choix. Galaxy, alors attends, Galaxy. Et c'est quoi A90, on a dit A90. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, je vous rappelle, aujourd'hui commence un petit peu le jour de Alors tout le monde me souhaite le jour de moi j'ai vu que c'était le 5. Alors est-ce qu'ils font la fête ce soir, du lundi à mardi, et donc du coup demain bah, c'est bon, c'est la nouvelle année, ou est-ce que c'est demain Moi j'ai vu marqué partout que c'était demain et c'était le 5, mais peut-être c'est de la nuit du 4 au 5. C'est un peu comme nous le jour de l'an, euh, le 31. Donc voilà, donc demain, euh, voilà, jour de l'an chinois. Donc du coup, bah, les Chinois sont en vacances. En plus, demain, c'est la bonne nouvelle c'est l'année de la cochonne. Et du cochon, bien évidemment. Euh, bah oui, c'est par paire. Et on aura des petits cochonnets. <laughs> et non pas des petits cochonneaux. Ce qui n'a aucun rapport. Voilà. Donc, du coup, jour de l'an chinois, legeek.tv. Allez, on va parler un peu de legeek.tv parce que c'était un peu le truc. Bon, ce week-end, alors, c'est pour ça, en fait. Bon, samedi, je suis allé dans la montagne, une heure et demie de route, complètement fracassé sur la fin et tout, avec Chris. Qui est, un, qui est à Pattaya Et quand j'ai mis sur la page Facebook Je, dis, ah là, je vais là samedi Il m'a dit ah, Ça me dirait bien de venir Et tout je dis, bah, On se donne rendez-vous Tac Et on part Alors, Il n'y avait que hop, On était que deux ce coup-là Après peut-être que le nombre va augmenter hein, Tu verras euh, Donc on est parti là-bas Une heure et demie de route Une bonne heure de, de, film, de filmage Quand même Malgré tout euh, Après un peu de balade Une heure et demie de retour au rentrée, donc là la vidéo, cette vidéo, je ne voudrais pas vous triser, mais c'est juste la vidéo la plus incroyable que j'ai jamais fait sur WTS. Autant il y a qu'un jour, franchement le niveau il était élevé quoi, avec la grotte et tout, le passage secret, tu rentres, la grotte et tout, enfin la pièce que tout, tu, tu rentres dedans, c'était quand même juste atomique la semaine dernière. J'en croyais pas mon œil euh, de verre, Jean-Marie. Donc du coup, et là, je veux dire, c'est le même puissance 4, quoi. Je veux dire, là vous allez en prendre la gueule pendant 40 minutes où même ma copine elle était là elle regardait elle fait oh, non wow, mais t'es allé là oh mais en fait c'est fou et je vous expliquerai dans ce lit de dimanche prochain pourquoi personne rentre dans les grottes pourquoi le sol fera pas dingue à rentrer à suivre les câbles électriques pour aller jusqu'au bout de la grotte du Bouddha qui est caché là-bas en bas à côté de la poupée vaudou c'est moi je vous expliquerai pourquoi pourquoi les Thaïlandais n'y vont pas <laughs> voilà, bah elle m'a expliqué. Mais bon, après, j'ai dit, Ah ouais Ah ouais bah, Elle me dit Oui, mais bon Mais elle me dit Nous, les Thaïlandais seraient jamais allés. C'est pour ça qu'il n'y a jamais personne et tout. Oh, elle me dit oh là là mais Et puis après, même elle, 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 elle me dit Quand même, c'est angoissant. Ouais. C'est angoissant. Après, beaucoup ça amuse beaucoup parce que je ne je vais pas dire je fais ma fillette, mais. C'est vraiment le truc où, euh, quand on regarde la télé, quand on regarde les chasseurs de fantômes, machin et tout, euh, franchement, le mec, ils chiennent vraiment dessus. Hein. Oh là, moi j'irais. Bah en fait, dans, une fois que t'es confronté au dossier, tu fais un peu moins le malin parce que t'es quand même un peu tout seul là-dedans, bas dedans, personne n'y va, personne sait que y, y est presque, et tu t'enfonces dans le machin, tu vas dans des trucs, j'ai tiré ce coincé, machin. Il euh, n'y avait pas beaucoup de monde à parler singes, hein, à l'entrée que vous verrez. Donc c'est vraiment une vidéo qui est incroyable. Voilà. Donc après, je suis rentré, une heure de pause, une petite douche, et on attaquait la vidéo, le caddie des contrefaçons sur AliExpress, bien évidemment. Une vidéo qui a surperformé, hein, qui a fait ses 1500 vues en peu de temps, où on renouvelait un peu, on parlait de toutes les contrefaçons qu'on avait trouvées, ou des produits un peu litigieux d'AliExpress de la semaine. Donc c'était en live et tout. Donc c'est vrai que ça m'a fait un samedi qui était quand même bien chargé avec des vidéos, de la route et tout. Donc dimanche, j'avais envie de rien faire. <laughs> Le dimanche, j'étais cramé complet, j'avais envie de rien faire et tout. Donc j'ai pas fait de vidéo, donc il n'y avait pas de vidéo pour lundi, parce que là c'est... Ai, en fait en rentrant, bah, du coup la grotte, je l'ai fait le montage, machin, j'ai fini le montage dimanche matin, le plot, de la vignette, machin, en foulage des 1080, 1080p, euh, 60 fps, ça fait des grosses vidéos. Donc voilà, ça m'a vraiment cramé et du coup je dis bon ouais, je fais rien dimanche, il n'y aura rien pour lundi. Tant pis, ça on est quand même dans notre quota de 50 vidéos par mois sur le JT Geek. C'est quand même pas mal. J'en connais pas euh, qui font 50 vidéos par mois avec autant de diversité et, et de qualité, bien évidemment. Après, c'est pour faire un live tous les jours et pour faire du jeu en streaming, euh, ça va. Ça, je pourrais le faire. <laughs> Tranquille hein, maintenant. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est bon. Le cahier contrefaçon, la vidéo incroyable, c'est fait. Les vidéos à venir, allez, parce que ça vous intéresse. Les vidéos à venir. Alors, qu'est-ce que j'ai Demain, boîtier, double disque dur externe. Alors, la vidéo, comme toujours, comme vous êtes mes petits membres préférés, elle est bien évidemment déjà sur la chaîne en non répertorié. Donc, ceux qui veulent voir la vidéo de demain, que j'ai fait aujourd'hui, vous allez sur la chaîne. Vous allez dans le JT du geek, euh, la playlist, et vous pourrez voir cette vidéo avant tout le monde et avoir cette petite exaltation de, de regarder une vidéo qui n'est pas répertoriée que vous êtes très peu à voir ce soir et vous allez la voir 24 heures avant tout le monde. Je sais que ça vous fait kiffer. Demain, on testera la pompe à pneus pour voiture. Putain, ça c'est génial. Ça, ça mon pote, c'est génial. Regarde, c'est un machin comme ça. Ça c'est génial. Regarde, c'est un machin comme ça. D'accord Attends, euh, faut l'allumer. Je l'allume. D'accord vas D'accord Là, tu c'est con. C'est un machin, tu mets le, le truc là et tu mets sur ton pneu de bagnole ou de moto. Franchement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ouais, alors ça, c'est Kinder Surprise. <laughs> je veux venir, ça va me dégonfler le pneu et ça va pas marcher. Et ma copine, elle me dit, ouais, il tu regardes sur la, ma bagnole parce que en fait, euh, voilà, euh, elle a la direction, elle est dure. Putain, je regarde d'un côté, alors en fait, tu regardes dans la porte, c'est de la tienne c'est 30 PSI qu'il fallait mettre. Bon, il y en avait un qui était à 22, donc 22 PSI, et tu mets, on a gonflé le pneu comme ça, j'étais comme un dingue. L'autre était à 16, ah oui, j'irais là, on était à la moitié du dossier. On a gonflé les quatre pneus, franchement, j'étais comme un dingue, ça fonctionne super bien. C'est sur batterie et tout, enfin on va en parler, c'est envoyé par Gearbest, c'est exceptionnellement le produit que tout le monde doit avoir. Je dire, même nous quand on part en road trip, tu le mets dans ta, tu regardes la pression de tes pneus, machin, pour vérifier, hop, tu transportes ça, tu le mets dans le coffre de la bagnole, tout, c'est génial. C'est le pur mode love de la semaine, il n'y a pas à chier. Euh, ça j'ai reçu également ce matin le cubo i19 alors je vais en recevoir deux un qui en douane un qui est passé donc du coup je paierai la douane pour un tant pis euh, elle m'a appelé tout à l'heure la DHL tu vois euh, je, vais, je vous ai envoyé un mail ce matin je le savais j'ai votre petit mail madame déjà ouais. Comme, euh, la DHL et moi en Thaïlande c'est une histoire d'amour avec le nombre de colis que je reçoit. Donc, le cubo 19, il est là, il sera fait dans la semaine. J'attends un autre, d'une autre marque, mais j'ai complètement oublié. Je crois que c'est Et Ouais, je crois Iodor Qui, du coup, après le F2, <laughs> c'était pas 2 en plus, mais ils ont dit oh, on a un nouveau carré, on vous l'envoie. Et j'ai reçu l'enceinte centrale Xiaomi pour la télé. Vous êtes nombreux à m'avoir dit Oh, Xiaomi fait une enceinte centrale pour la télé, petite, pas chère, machin, faudrait que tu la testes. il bah, faudrait que tu la testes, je la demande. Le premier qui me l'envoie, il gagne. Donc voilà, elle est là, elle est arrivée, donc pareil, elle arrivera peut-être pas cette semaine, mais au moins la semaine prochaine. Au niveau des films à venir, je ne sais pas trop ce qu'il y a en ce moment, mais il n'y a pas grand-chose. Euh, J'en ai chargé pas mal, je vous raconterai un peu au fil de l'eau ce qui se passe et ce que je regarde. Il euh, y a eu pas mal de teasers hier pendant le Super Bowl, mais bon, rien de plus qu'on ne savait déjà. On parle des films et séries télé, bien évidemment, c'est du week-end Viking, saison 5, épisode 20. Épisode final, dernière saison. Ça veut dire que maintenant, tu l'as dans le cul. Faut attendre. Alors heureusement, il y a Game of Thrones qui va arriver au mois d'avril normalement. Donc, va falloir attendre maintenant la saison prochaine. Bon, bah viking c'est bien. Il hein, y a pas à chier. Après, bon, c'est un peu longuet des fois. Là, manque un peu de cohérence, machin. Euh, un peu facile hein, des fois. Il y a des raccourcis euh, scénaristiques. C'est comme ça que dit Captain Popcorn. Hein, Ils font un peu quelques raccourcis scénaristiques euh, qui sont. <laughs> mais euh... ouais, non bien, 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 mais, mais, voilà, mais. Il ah, euh, y a des épisodes qui, pour un final, bon on aurait peut-être pu mettre le niveau un peu plus haut, mais c'était quand même plutôt pas mal et tout, bonne scène d'action, happy end et tout, voilà, hop, euh, ils, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. D'enfants, Dieu, Roi et, et satanique. Voilà. Tout euh, à l'heure j'ai regardé UFC 144 pour ceux qui sont fans un peu de l'Ultimate Fighting, mais euh, en même temps il y a des filles, hein, en même temps les deux meufs qui ont commencé, je peux dire, il y en a une des deux... Euh, tu fais pas de câlin, hein Avec la crête, les tatous et tout. Euh, là, et... <laughs> Voilà. Bon, gros combat, c'était pas mal. Euh, L'UFC 144 est pas mal, hein. Pas de grosse tête d'affiche, machin. Mais... Euh... C'était bien. Alors, puisqu'il y a l'autre prochain, je crois, il y a Da Silva et tout. Là, c'est quand même, mec, Mais c'était vraiment bien. Tous les, tous les combats sont plutôt bien. Euh, J'ai bien kiffé. Voilà. Donc, je vous invite fortement à regarder également. J'ai cherché une série qui s'appelle Roswell aussi. Alors, c'est pas Roswell avec les puceaux prépubères euh, autour de le machin. Mais là, c'est plutôt film avec euh, eux adultes et tout machin, tu vois. Mais euh, ça a l'air pas mal. Donc, à regarder un peu, voir ce que ça donne avec les extraterrestres et tout. Sur des séries qui, je suis assez fan parce que dans les, dans les épisodes et dans les films, il y a toujours des pistes sur la réalité. On voit souvent dans les trucs que les mecs ils disent quand ils ont des secrets à faire révéler, ils font pas un livre en disant je vous donne les secrets de machin, mais ils font un roman où ils disent ah tiens, euh, un roman de science-fiction et dans, dans ça en fait, bon, il y a pas mal de brodés, mais il y a aussi pas mal de vérités. Donc à voir ce que Roswell va nous pondre, il y a trois épisodes là que j'ai téléchargé, donc euh, à regarder. Et enfin, Dirty John, j'ai enfin trouvé sur les fichiers torrent, euh, sur les deux je regarde, soit, soit torrent neuf, soit euh, c'est pas bien. La saison complète de Dirty John, donc euh, je vais la regarder bien sûr avec plaisir parce que euh, j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec mon ami John John parce que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Voilà. Okay. Petite, petite série de, du week-end. On finira bien évidemment avec Shanzai.fr, notre site. Alors, c'est pas notre site de contrefaçon, attention. Alors, en plus, moi, on est en train de préparer le dossier parce que ça y est. Donc, on a fait les 1000 mille... vues. Enfin, on commence à frôler les 1000 vues par jour hein. <laughs> au bout de 8 jours. Hein. Dis donc, hein. <laughs> dis donc, dis donc, dis hein. donc. Euh, les produits, donc vous allez voir, il va y avoir des petits changements, mais légers, légers, avec beaucoup d'humour et beaucoup de JLG dedans. Euh, les chaussures du week-end, alors il y avait les Vapor Max, comme toujours, et les Adidas Superstar. Donc ceux qui les ont achetés, qui n'hésitent pas à me faire un, un commentaire après, en me. En me disant euh, voilà qu'est-ce qu'ils en ont pensé quelle est la qualité et à me demander comment je le sais je le sais c'est tout et <laughs> eh, je vous on sait tout monsieur on vous suit euh, petit article aussi aujourd'hui concernant les acronymes x Nike Air en fait c'est des chaussures sans lacets avec un espèce de truc dessus et tout c'était plutôt pas mal euh, alors bien évidemment des acronymes Nike Air, euh, édition euh, limitée avec un designer machin des godasses vendues 250 balles rupture de stock partout où tu les cherches d'accord et AliExpress, eux, alors ils ont tous les modèles, toutes les tailles, toutes les couleurs, ils ne vendent que les 70 euros. Voilà. <laughs> voilà, voilà, voilà. 70 euros. Putain, les bâtards, quand même. Voilà. Donc bon, après, euh, voilà, bah, AliExpress va te faire un mail en disant « Mais c'est des vrais, monsieur. Il hein n'y euh, a, a pas à chier. Euh, arrêtez, de, arrêtez de croire que non, c'est des, euh, des vrais Nike à 70 euros. Euh, nous, on en a. <laughs> on les fabrique euh, pour de vrai. En fait, il les fabrique pour de vrai. Après, est-ce que c'est vraiment… Il les fabrique pour Nike ou il fabrique les mêmes On ne sait pas. A... J'ai surenchéri avec les montres Smael. Alors euh, oui, pas ma faute. Hein. Je vais dire les noms, pas moi que je sais. Mais j'ai beaucoup aimé la marque Boamigo. Alors amigo, amigo, hombre. S'il y en a qui abla un peu espagnol, amigo, voilà. <laughs> Pas la puta de la cabra, c'est amigo, d'accord? Amigo, Nino, Muchachas, voilà, tout ça, ok. Donc du coup, il y a les Montesmaels 14-16. Après, hier, il y avait la 11-55 et la amigo. Celle-là, elle est magnifique. <laughs> elle est magnifique. Et en fait, je vais vous faire voir. Regardez, c'est dit dans l'article. Voilà. Moi, j'ai acheté cette Casio là l'année dernière. Je l'ai vue sur internet, euh, voilà. elle m'a fait craquer, elle est trop belle. Et là, <laughs> regardez la première. Voilà, Regarde la mienne, regarde la première là-bas. Il y, y a quelque chose, hein <laughs> Qu'est-ce que t'en penses Moi je trouve qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y, 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 y a un truc. Alors bon, la mienne, elle s'allume, mais je m'en rappelle plus, c'est ce le bouton. Voilà. Bon, à part celle-là, euh, vaut 10 balles. <laughs> 7,45€. Alors oui, bon, celle-là, elle vaut 250 balles quand même, hein, je veux dire, parce qu'elle fait accéléro machin, et tout. Bon, c'est une belle casio, on est d'accord et tout, mais 250 balles et 10 balles. Alors que je m'en sers juste pour regarder l'heure, je tourne et que ça s'éclaire, ce que je veux dire, et même pas l'alarme. Donc du coup, bon, oui, elle n'est pas à la qualité d'une Casio, elle n'est pas étanche, super waterproof, elle est peut-être moins résistante, mais euh, 7,45€ versus euros, tu peux en acheter 25 des montres, voire plus, ou certainement plus, euros. Ok Google, 250€ divisé par 8. La réponse est centimes. Ah oui, j'ai mis un euro. Bon, euh, 31 montres, <laughs> tu peux acheter pour le même prix. Alors, je veux dire, oui, même si la qualité n'est pas aussi ouf et que tu peux la garder que pendant un mois, tu es tranquille pendant deux ans. <laughs> Presque trois ans. Enfin, voilà. Donc, cette montre, elle est juste magnifique. Elle vaut rien. Et voilà quoi. Après, celle-là, très jolie aussi, euh, en mode un peu. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà. Donc, je ne vais pas surenchérer là-dessus, mais moi, ça me rend fou. Voilà, parce que je me dis 7 balles. J'ai envie de tout commander. Voilà. Mais il faut, faut que je sois sérieux. Après, bah, si vous, vous les avez commandés, parce que j'ai vu que les montres euh, voilà, c'est parti. Mon kiki. Euh, bah, N'hésitez pas à me dire un peu votre retour, faire des photos, me dire la qualité, machin. Est-ce que pour 10 balles Putain, 10 balles, merde. Putain, 8 euros. Oh, merde, Putain, fait chier. Hein. <laughs> Son stylés en plus. Et voilà, t'as envie de voir, t'as envie de savoir. Ce que je veux dire. Bon, et enfin, aujourd'hui, on parlait des autocollants. Alors, ben, vous avez vu, tout est un peu fake ou pas fake. Hein. Alors, autocollant Star Wars, comme on parle, 50 autocollants Star Wars à 1,50€. Est-ce que tu vas recevoir 50 autocollants Star Wars Oui, il n'y a pas de problème. On a déjà commandé les autocollants, tu les reçois, à la qualité est bien, machin et tout. Il y en a 50 tout pile ils correspondent exactement à la photo, il n'y a pas de litige possible. Après, est-ce qu'ils sont vraiment Star Wars Oui. Est-ce qu'ils sont sous licence Star Wars Ça veut dire que le mec donne de l'argent à Lucas ou à Disney Là, t'es sûr que non. Donc du coup, fake. Je veux dire, fake un peu. comme je viens dans l'article, c'est pas fake, mais fake un peu. C'est-à-dire que ce bah, c'est pas, pas des vrais autocollants Star Wars, mais c'est des vrais autocollants Star Wars. Tu vois ce que je veux dire Bon voilà. Donc c'était le truc du jour. C'est assez pour aujourd'hui. Je verrai ce que je ferai ce soir. Si y a, y a encore plein, plein, plein de produits. Demain, il y aura de la godasse, c'est sûr. Parce que je rappelle, AliExpress nous envoie... Les offres et les ventes flash et tout. Donc, du coup, on peut, on peut vous, les, vous les traquer comme ça. Et on a pas mal d'autres produits. Il y a un milliard de choses à relever. Mais bon, je me contente de deux articles par jour. C'est pas mal vu que déjà, comme on commence déjà à ranquer comme des cochons. Si en plus je vous fais plus d'articles que ça, euh, je sais pas où on va. Hein. <laughs> et puis, il faut que je me concentre un peu sur tout. C'est que je fais tout en même temps et que c'est un peu compliqué de tout faire. Mais bon, après, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette. On parlera nanana et enfin, un bug qui m'a écrit tout à l'heure, on a un gros On fera un article notamment avec les plus belles copies d'Apple Watch. Alors c'est surtout au niveau du design, parce qu'on est bien d'accord qu'au niveau de l'OS ça ressemble pas du tout. Mais euh, on m'en a envoyé plusieurs, on a trouvé, il y a de la promo demain, donc j'ai sûrement un article en disant, voilà, et après là-dessus vous pourrez suggérer, vous, des montres que vous avez vues sur AliExpress, qui ressemblent fortement à l'Apple Watch. Et euh, encore une fois, ces trucs à 10, 20, 30 balles, Voilà pour des montres euh, connectées. Ça peut être, euh, par exemple, plutôt sympathique. Patrick, voilà. Donc voilà, voilà un petit peu pour les news de la journée, vous voyez, comme quoi c'est pas mal, on peut arriver à broder, pas faire que du, du high-tech, un peu de film, un peu de série télé, un peu de blabla, un peu de, de news, de machin, de parler un petit peu de tout comme ça pendant une petite demi-heure, c'est plutôt bien. Voilà. Et ainsi se termine cette acte quotidienne du lundi. On se retrouve demain mardi en live à partir de 15h. Pendant 15 minutes, je vous raconterai un peu ma vie comme aujourd'hui, mais ce sera un peu plus court. On fera le tirage de la Tombola pour le mois de janvier. Savoir parmi tous les tickets qui a gagné notre Huawei Y Max et notre i4K ou tous les machins qui sont là-bas que chacun pourra choisir dans l'ordre du gagnant d'arrivée de la finale de la Coupe du Monde de, de, de vélo en haut de la montée. Et donc du coup. On fera également le t-shirt Star Wars en fonction de ceux qui ont répondu. Euh, je vais voir si tout le monde a répondu. Ça m'étonnerait que tout le monde ait répondu d'ici demain. Hein, parce qu'il y en a quand même, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait quand même 11 personnes qui ont mis plus de 20 balles hein, le mois dernier. Hein, toi, je veux dire. Donc, qui ont automatiquement un t-shirt et qui peuvent éventuellement sortir. Mais la plupart que j'ai eu, la Star Wars m'ont fait non, m'en fous. <laughs> non, euh, garde-le. <laughs> donc je crois qu'il y en a un, il m'a dit moi je le veux, donc du coup s'il y a que toi, t'as gagné d'office. Mais euh, les autres, en attendant, ils m'ont dit non, moi je veux un geek, je veux celui-là, je veux celui-là. Donc voilà. Donc on préparera tout ça, et puis ça permettra de mettre fin à ton tombola, je veux dire, comme ça, ça permet, vous, vous soutenez l'aventure du rendez-vous, et même si, ben, comme ça, vous ne gagnez pas de trucs incroyables de notre tombola, vous êtes sûr d'avoir un t-shirt. C'est bien déjà. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, 15h, pour le live. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous sont proches. On finira comme toujours avec un petit paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bah, je vous kiffe. Et on verra qui seront les tipeurs. J'ai pas dit les tipeurs du jour. Attends. Oui, bah, excusez-moi. Les tipeurs du jour, c'était. Bah, tant pis à la fin. Juste geek. Euh, David651. Alex J. Bon, de Mojeb, bien évidemment. John Harris. Sopra et euh, Ayrton 54. Voilà, c'était les tipeurs du jour. Donc, cette émission vous était dédiée. Je suis désolé, je vous ai oublié au début. Pas bien. En plus, j'avais bien préparé mon truc et tout. Mais bon, l'important, le nom était en haut et que vous le saviez. Cette émission, c'était la vôtre. Et là, c'est le plus sympa. Allez, Dieu vous bénisse. Paix Prospérité. À demain. Bye bye. Oh